Ce samedi 28 octobre 2023 via son compte Instagram, Carla Bruni a pris la parole pour sensibiliser les femmes à l'occasion d'Octobre Rose. Elle encourage l'ensemble de ses abonnés à faire des mammographies. Dans quelques jours, l'événement Octobre Rose sera terminé et donnera le relais à l'opération Movember consacrée au combat pour les hommes ayant le cancer de la prostate. Si le lancement d'Octobre Rose a été mené avec un grand succès le dimanche 1er octobre dernier sur les Champs-Élysées avec l'association Ruban Rose, et la présence de nombreuses personnalités telles que Jennifer, Claudia Tagbo, Evelyne Delia ou encore Alice Détolénard, une autre célébrité a dévoilé son engagement pour cette noble cause. En effet, en début de mois, Carla Bruni a partagé un témoignage touchant sur son combat mené en secret il y a 4 ans. Une annonce qui a fait écho sur les réseaux sociaux et dans les médias du monde entier. En ce samedi 28 octobre 2023 via son compte Instagram, la chanteuse italienne a partagé une publication pour sensibiliser de nombreuses femmes. Je profite donc de ce mois d'octobre rose pour vous livrer un message dans la nouvelle publication Instagram, on peut apercevoir l'interprète de Quelqu'un m'a dit vêtu d'une tenue noire, assise par terre et tenant une radiographie. Les clichés inédits sont accompagnés d'un texte pour le moins éloquent traduit en langue française, anglaise et italienne, une femme sur 8 aura un cancer du sein. Je suis l'une d'entre elles. Je profite donc de ce mois d'octobre rose pour vous livrer un message. Faites vos mammographies. Dès la diffusion de ce message, les internautes ont largement répondu présents dans la section commentaires et ont soutenu cette belle démarche menée par Carla Bruni. Parmi les nombreux messages, on peut lire ceci, Carla. Vous êtes une icône, merci pour votre courage et générosité de partager ce message si personnel, c'est bien d'en parler bravo, merci, je vais le faire, Carla, tu es une femme qui est influente et qui peut convaincre pour passer ce message si important, restez forte jolie Carla, merci beaucoup Carla.